Coucou toi, comment ça va? Bon allez, nouvelle vidéo de présentation d'un graveur laser. Donc là on est sur le Sculpfun S30 Pro Max. On est sur un graveur laser d'une puissance de 20 watts. Ça sera donc 4 faisceaux laser de 6 watts chacun qui vont se retrouver via des optiques des faisceaux afin de ne former plus qu'un seul faisceau de 20 watts. Ça va être une vidéo assez complète parce qu'on va tester du coup ce graveur laser qui lui est livré grâce à Geekbuying avec un nid d'abeille, une petite table de travail. Mais on va tester également la cam 500, donc une caméra qui se fixe dessus et qui te fera une vidéo de 5 mégapixels. Mais on va tester également ce qu'il y a dans ce petit carton là, petit outil rotatif qui te permet de pouvoir graver des surfaces cylindriques telles que des tasses, des verres. On va déjà dans un premier temps se focaliser sur le laser, mais si tu veux voir les accessoires qui sont indépendants avec, on va en parler un peu dans la vidéo, mais on va pas trop s'attarder dessus. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos qui vont concerner ces accessoires. Allez, on va déjà commencer par un petit unboxing, c'est-à-dire un petit déballage du carton, regarder son contenu. Ensuite, on va passer au montage. Alors, n'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo si tu as envie de squeezer à des parties. Au début de la description, tu retrouveras plein de petits timecodes, des petits endroits dans la vidéo pour accéder directement à certaines parties, donc que ce soit le déballage, le montage, les essais, la présentation, les descriptifs et ainsi la conclusion pour terminer. Allez, on passe au déballage. Tout d'abord, on va trouver une notice d'utilisateur qui est en pas mal de langues, dont le français, ce qui est un bon point positif. Des petites plaques d'essai, donc tu as une toile en alu et trois plaques en contreplaqué qui doivent faire à peu près 3 mm d'épaisseur. Le boîtier de commande. Dans un petit sac plastique, tu retrouveras la tête du laser, l'axe avec les petits roulements sur lequel on viendra venir mettre notre tête laser. Tu as également un tuyau parce que cette machine est fournie avec l'air assist. Et après, tu vois, regarde, vraiment bien rangé. On va retrouver du coup tous les autres composants, donc chacun à sa place, le transformateur pour alimenter la machine. Un petit support avec un contacteur, donc on dirait une fin de course. Un deuxième, et bien sûr les lunettes de protection qui sont indispensables lorsque tu utilises cette machine. Le petit carter de protection qui va venir autour du laser. Les petites pattes qui viennent dans les angles afin de rehausser la machine. Un câble USB pour pouvoir le raccorder à ton ordinateur. Petite boîte Sculpfun Laser Repair Kit, qui est constitué d'une pince à épiler, d'une clé, il y a des joints, un petit chiffon de protection, à mon avis à garder précieusement ça lorsque tu auras des réparations à faire sur ta machine, le câble d'alimentation qui va avec le transformateur. Cette machine est fournie directement avec l'air assist, tu vois, alimenté en 24 volts que tu viendras brancher directement sur la centrale. Nos 4 rails qui vont faire le contour, alors tu vois qu'ils sont bien repérés, front, right, back, left. Et pour terminer, on a pas mal de poches, spare screws, alors ça veut dire pièces de rechange, des pièces en rab qui sont fournies avec la machine. Sur chaque étiquette, c'est marqué l'étape à laquelle tu vas en avoir besoin et le contenu du sachet. Et en plus de ça, on va retrouver une petite poche avec des outils qui vont te servir au montage et à l'entretien de cette machine. On a fait le tour de tous les accessoires qui sont fournis dans le contenu du laser. Dans d'autres vidéos, je te ferai des tours plus détaillés sur l'outil rotatif pour les objets cylindriques et sur la caméra. Là, on va faire une vidéo vraiment dédiée sur le laser. N'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo, je te mettrai les liens qui te mèneront vers ces vidéos-là, où tu les retrouveras également à la fin de la vidéo. Pour cette première étape, tu vas prendre le petit sac de vis Step 1, qui est constitué de 2 vis de 5x8, 4 de 5x18 et 2 de 5x30. En plus de ça, tu vas prendre les petits rails right, left et la partie back. Et également, deux équerres et la petite clé en T qui est fournie dans la poche d'outils. Et on va prendre une vis de 5x18, donc la vis intermédiaire, et commencer à la visser sur la partie back. Alors moi, dans un premier temps, je ne serrerai pas trop fort, ce qui permettra encore, tu vois, d'ajuster les petites pièces comme ça. Tu vas remettre notre rail left, pense à regarder la distance, il faut que tu prennes le côté qui est 50 qui va aller au fond, et de là, on va mettre la vis la plus grande qui va aller à l'intérieur et sortir la partie du rail left ou right sur la partie back. En troisième vis, tu mettras la petite qui, elle, ne viendra supporter que l'endroit left ou right sur la partie de l'équerre. Et ensuite, une dernière vis de 5x18 sur le côté. Et une fois que ton côté est bon, tu peux venir serrer tout ça gentiment. Et enfin, faire la même chose du coup de l'autre côté. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. Pour ça, tu attrapes le petit stack de vis step 2 qui est constitué d'exactement la même chose que le premier. Et on va également prendre le support du laser avec les petits rouleaux. On va encastrer les uns dans l'autre. Le faire coulisser dessus. Quand tu installes cette partie là, pense à regarder que ton support du laser soit vers la partie avant, vers la console de la machine. Et on va également attraper le petit pied avec la console et puis un équerre. Donc on va venir mettre du coup la petite console sur l'avant, un petit pied avec l'équerre sur l'autre côté, et on va prendre la partie front. Sur la notice, tu as l'ordre dans lequel mettre les vis. On va mettre la vis 1 qui est une 5-18 dans le deuxième trou. On va venir encastrer notre partie front entre les deux. Pense à regarder les distances, bien sûr le 45 côté interrupteur. Prendre les vis de 5x30 qui, elles, vont passer à travers ce trou.
la petite vis sur l'avant. Tout ce que tu fais d'un côté, tu le fais également de l'autre. Il te reste deux vis de 5x18, donc une ira sur la gauche de la console dans le petit trou, et la deuxième ira juste ici. Et on passe à l'étape numéro 3. Donc tu attrapes le petit sac numéro 3 qui est constitué de deux petites courroies crantées. On va passer sous le premier rouleau, au-dessus de l'axe où il y a une poulie crantée, passer sous le deuxième rouleau et faire sortir la courroie de part et d'autre de chaque côté. On va passer à l'étape numéro 4 désormais. On va prendre du coup dans le petit sac qui va avec. Tu vas avoir des vis avec des petits écrous bizarres, donc tu la passes à l'intérieur. Déjà, tu fais juste prendre, mais vraiment juste à l'histoire infilée, histoire que ça tienne. Et ces petits trucs-là vont venir te bloquer la courroie en place. Il va falloir que tu les insères à l'intérieur, là, juste ici, au début. Et en fait, en tournant, venir se mettre en travers et bloquer ta courroie. Moi, je commencerai par devant pour mettre la deuxième derrière. Il faudra que tu la tiennes fermement, le temps de pouvoir serrer ta vis et que ta courroie soit correctement tendue. Ensuite, on passe à l'étape numéro 5. Donc, on va commencer à installer notre laser. Et on va prendre les 4 vis sur le S30 Max et venir les fixer par l'arrière. Sur le modèle S30 Pro classique, il n'y en a que 2. Sur le S30 Max, il y en a 4 installés. Pour l'instant, j'ai serré à la main. Sur la notice, ils mettent de les installer à la clé. Tu vois qu'il y a une petite empreinte de clé Allen à l'intérieur de la vis. Et les deux plus petites vont venir, elles, sur les côtés afin de pouvoir tenir le petit cache en plastique. Ensuite, on va procéder à l'étape 6. Alors pour ça, on va se procurer le petit tuyau d'air bleu et on va prendre la poche Step 6 qui est composée de 8 attaches velcro, 2 colliers, quelques surflex et 2 vis. On va venir prendre notre tuyau d'air bleu d'air assist et le clipser sur le petit truc qui dépasse sur le côté du laser. Il y a juste à l'emboîter légèrement dedans. On va mettre un premier collier en plastique à ce niveau là. Comme ça, lorsqu'il va bouger, tu vois, ça va pas courber le tuyau et il pourra bouger correctement. On va venir attacher notre tuyau avec les colliers par le haut et les visser, tu vois, sur les deux trous qui sont là et là. On va s'assurer que notre laser peut bouger partout. Donc on va le faire bouger à droite et à gauche. On va passer un petit collier dans le trou et on va venir chercher nos câbles. Une première connectique avec X axis et Y axis. Ici, tu vois qu'il y a X, donc on va venir brancher le X sur le X. Hop, Y avec le Y. Voilà. Le reste du câble, lui, on va venir le faire passer par-dessus. Et c'est à ce moment-là où on va accrocher du coup nos deux câbles ensemble avec le petit collier d'électricien. Tu as un connecteur qui s'appelle laser qui va se connecter juste ici, au-dessus, à côté du ventilateur. Et là, tu vas me dire qu'il te reste le câble X. Ça sera pour les capteurs de fin de course qui viendra juste ici. On va prendre les petites attaches en velcro et venir les mettre un peu partout, histoire de maintenir notre câble avec notre tuyau d'air. Je vais même les passer au final à l'intérieur du collier. Je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi il faut mettre le collier avant. On pourrait passer tout dedans directement. Ça fera meilleur maintien et ça sera plus propre aussi. Et j'ai l'impression c'est ce qu'ils font sur les images. On va également mettre un petit scratch au niveau du câble du laser. Le reste de la tâche en scratch pour venir te servir à accrocher le reste du tuyau et du câble ensemble. On va passer à l'installation, tu as des petits capteurs de fin de course qui vont venir se mettre ici et qui vont venir faire en sorte que ta machine va s'arrêter. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est prendre la vis qui est fournie avec, donc dans le petit sachet, et venir la mettre, voilà, juste ici. Ajuste-la bien pour qu'elle arrive vraiment sur en butée, tombe vraiment sur la partie de l'acier qui est là. Et une fois que c'est bon, que tu es bien réglé, tu serres ça bien. Ensuite, on va prendre le câble, les petits morceaux là dans le connecteur, ils appellent ça des wire buckles. Tu peux l'ouvrir, tu vois, tu as un petit trou sur le côté, tu peux simplement l'ouvrir, passer ton câble à travers, refermer le clips. Tu as des petites embases ici adhésives, t'en prends une, tu la colles dessus. Donc on est sur une sorte de petit adhésif double face. Tu enlèves le deuxième petit protecteur, tu peux dire qu'il colle bien les machins. Et ce qui te permettra, tu vois, de venir les fixer dans la rigole qui est juste là, le petit creux, que ton câble soit vraiment bien maintenu. Voilà, tu le mets à l'intérieur et tu serres. Et on va faire la même chose avec le deuxième, puis connecter notre câble vraiment à l'extrémité. Clé butée de fin de course, tu installeras la première ici, tu vois qu'elle vient vraiment buter dessus sur la partie en ferraille. Et le deuxième va aller ici, là où tu as les deux zéros, et sera dans le troisième trou. Et concernant le câble, pareil, on va utiliser ces petites attaches. Et moi, ce que je ferai, c'est que je viendrai le fixer tout le long du rail, là, sur le dessous, histoire qu'il s'accroche nulle part. Et faire sortir mon câble, tu vois, juste ici. Le montage est presque terminé, on va attraper les petits patins en caoutchouc qui te servent à éviter à ce que la machine glisse ou dérape ou n'importe quoi. Donc en fait tu les prends, tu vas lever ta machine, t'en as 8, essayer de les mettre vraiment à ras du petit trou de fixation qui est là et les replier dans l'autre sens.
Alors ils sont plus mous que ceux d'avant. Du coup, ils vont mieux s'adapter. Je pense qu'ils vont moins se défaire, moins se décoller. Tu en as 8, tu en mets 2 par pied, vraiment du coup sur chaque côté, histoire que ça ne bouge plus. Et pour terminer, il ne restera plus que les raccordements à faire au niveau de la carte mère et du air assist. Donc ton tuyau d'air va aller juste ici. Lui sera alimenté directement par la carte mère avec le petit connecteur qui est juste là. De toute façon, tu ne peux pas te tromper, il est marqué air assist. Tu n'as plus qu'à venir connecter ton petit connecteur blanc dessus. Ensuite, on va brancher la lime de la machine et c'est parti pour les essais. Pendant que tu vois les essais défiler juste ici, en haut, tu verras défiler les caractéristiques de chaque coupe, la vitesse et la puissance, ainsi que le matériau utilisé afin de pouvoir te donner une idée. En vidéo, tu pourras retrouver un petit tableau avec les caractéristiques de puissance qui sont préconisées par Sculpfun afin de t'utiliser cette machine. Sinon, pour parler un peu plus de cette machine, c'est une machine qui vaut en temps normal 549€, mais que tu pourras bénéficier d'un tarif plus abordable grâce au code promo NNNFRPROMAX sur le site de Geekbuying, dont tu trouveras le lien dans la description. Tu trouveras également tous les accessoires que j'ai utilisés, tels que la cam 500, l'accessoire rotatif et des rails pour augmenter la surface de gravure, pour parler du graveur en lui-même. C'est un graveur avec lequel tu pourras graver du coup tout type de bois, du MDF, du carton, du papier, du plastique, du cuir, des circuits imprimés, de l'inox 304 et également de la céramique pour parler du coup du laser. Donc on est sur un laser de 20 watts, donc 4 faisceaux de 6 watts qui se retrouvent à travers une optique pour former un seul faisceau. Il a un focus de 0,08 par 0,1 mm et une fréquence laser de 455 nanomètres. Avec celui-ci, tu pourrais couper en une seule passe 10 mm de CP ou 15 mm de bois brut. Alors je t'avoue, moi j'ai pas spécialement fait le test, je préfère faire plusieurs passes tranquillement et avoir une coupe qui soit vraiment propre et nette. Tu pourras également du coup aussi couper 15 mm d'acrylique. Et également selon la vitesse que tu mettras, tu vois, il y a un petit tableau que je te mets juste à côté, la vitesse et la puissance que tu mettras avec une vitesse de 4000 mm par seconde, tu pourras colorer tes aciers et leur donner plusieurs teintes différentes. C'est un truc qui est super sympa mais que malheureusement je n'ai pas testé. Parler un peu de la machine, donc la machine en elle-même a une précision de 0,05 mm, elle a une surface de gravure de 370 par 363 mm une fois que tu as installé les petits capteurs de fin de course. Et cette surface là, tu pourras l'agrandir. Donc là on est sur la version de base, tu auras une version intermédiaire qui fera 935 par 400 mm ou vraiment la version la plus grande qui elle fera 935 par 905 mm. Donc vraiment un gros format. Tu retrouveras les liens vers du coup ces kits d'extension dans la description. Ce laser est donné pour avoir une puissance électrique de 120 watts approximativement et il est doté d'une carte mère 32 bits qui te gère l'air assist. Donc l'air assist sera contrôlé directement par la carte mère, tu ne seras pas obligé d'avoir une alimentation séparée. C'est-à-dire que dans le logiciel Lightburn, quand tu diras par exemple tu feras de la gravure, tu enlèveras l'air assist et tu activeras l'air assist quand tu feras de la découpe par exemple et tout sera géré automatiquement directement par le laser. Il est alimenté en 12 volts directement par la console. Il a un débit d'air de 30 litres par minute. Vos logiciels et connectivité, tu pourras connecter cette machine à ton ordinateur par exemple via le câble USB qui est fourni avec, mais il y a aussi une connexion Bluetooth comme tu peux voir un petit peu sur l'écran de mon smartphone à côté, qui te permettra d'avoir une connectivité sans fil pour lancer des gravures directement depuis ton smartphone ou ton ordinateur. Il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo, tu vois, en même temps que je suis en train de graver des petits verres à vin. Alors tu as pu voir que c'est une machine qui te permettra de faire pas mal de personnalisation. J'avais besoin, tu vois, suite quand j'avais fabriqué petite pinte de bière, j'avais besoin d'avoir une petite boîte pour les envoyer. Et juste en créant ça sur Lightburn, en gravant ça sur la machine, tu vois, 25 minutes par boîte, on est vraiment sur un truc voilà, que je fais kiffer, c'est vraiment du personnalisé et vraiment sympa. J'ai également, tu vois, fait des thermos qui te permettent d'avoir, de contenir des boissons chaudes, froides. Tout ça, des trucs exceptionnels. Enfin, je trouve que c'est un outil qui te permettra de personnaliser des choses et de créer des objets, de personnaliser. Ça va être franchement super intéressant. Niveau tarif de machine, on est quand même sur un truc abordable. Surtout si Geekbuying te fait un code promo dessus. Enfin, franchement, n'hésite pas à regarder dans la description vers tous ces accessoires. Déjà, point positif, l'air assist qui est fourni avec et surtout commandé par la carte mère. Ça te fera des coupes d'une propreté irréprochable. La puissance de laser du 20 watts, ça te permettra de graver des objets tels que le verre, tu vois, à pleine puissance, à, je crois qu'on est à 3000 mm par seconde, sans problème. Là, on va passer, je ne sais pas exactement combien de temps, 6 minutes pour graver un verre à vin. Là, je suis en train de faire une série, tu vois, pour les cadeaux de Noël, ça va être super sympa. C'est mon gros coup de cœur sur ce produit-là. C'est l'accessoire rotatif. Franchement, je trouve que c'est une tuerie. Je crois que j'aurais vraiment dû investir dans ce type d'accessoire-là avant. Franchement, c'est un truc, ça me fait vraiment kiffer de pouvoir graver des objets cylindriques. Enfin bon, je sais pas si tu me suis sur Insta et tout ça, mais tu verrais le nombre de posts que j'ai fait dessus à graver mes verres, à prendre un plaisir à faire ça. Et je peux te dire qu'il y en a, ils vont être super contents quand ils vont recevoir leur cadeau à Noël. Par contre, enfin, il faut toujours trouver des côtés un peu négatifs aux machines. Le point négatif de cette machine-là, c'est le ventilateur de la tête de laser qui se met en route déjà dès que tu allumes et je trouve qu'il est quand même assez bruyant. Alors certes, il y a besoin d'un refroidissement pour la machine et tout ça,
Mais je trouve que là, on est quand même un peu trop, c'est quand même un peu trop, enfin, je trouve que le volume est un peu trop fort. C'est-à-dire que tu ne pourras pas installer cette machine-là dans ton salon et graver juste à côté, franchement, ça va être compliqué. Sinon, je trouve qu'il n'y a que des points positifs à cette machine, je n'ai rien à redire dessus. On a une structure qui est sympa, j'aime bien cette couleur un peu, alors je ne sais pas si c'est du noir mat ou quoi. Si tu veux plus d'informations sur l'accessoire rotatif, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche des notifications. La vidéo, elle est en cours de montage avec tous les essais que j'ai réalisés et je te ferai vraiment une vidéo plus détaillée dessus. Que ce soit par rapport à l'installation, les caractéristiques, les différents essais, tout ça que j'ai réalisé. Il y en aura également une sur l'accessoire que tu vois juste ici, donc la caméra, que tu pourras calibrer dans Lightburn. Donc c'est pareil, ça va être une vidéo qui sera vraiment dédiée à la caméra et de voir un peu tout ce que les options que ça va te permettre de faire en plus avec Lightburn. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à te lâcher sur les petits likes. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.